Dobrý den, milé dámy, milí pánové. Vítejte u dalšího webináře Národního pedagogického institutu České republiky, které připravujeme v projektu SIPO. Jsme moc rádi, že jste si našli čas i v hektickém období před přijímacími zkouškami a nadcházejícími maturitami. Dnešní webinář je zaměřený na cizí jazyky, konkrétně francouzštinu. Máme pro vás ale spoustu webinářů věnujících se informatice, matematice, českému jazyku, přírodovědným a společenskovědným předmětům nebo třeba předškolnímu a prvostupňovému vzdělávání. Najdete je na YouTube kanálu SIPO a v online škole SIPO. A všechny důležité informace nejen k webinářům, včetně odkazů, jsou pak na stránkách projekt.sipo.cz. Jak už jsem řekla, dnes půjde o francouzštinu. Webinář s názvem Výuka francouzštiny jako druhého nebo dalšího cizího jazyka po angličtině si pro nás připravila paní doktorka Silva Nováková. Já vás tady vítám, paní Nováková. Dobrý den. Dobrý den. Vy už jste u nás podruhé. Naposledy jsme se spolu s vámi zaměřili na fonetiku francouzštiny jako základu rozvoje řečových dovedností. Minule se také diváci dozvěděli, že jste v posledních letech působila na pedagogických fakultách Západočeské a Karlovy univerzity a v současnosti vyučujete na gymnáziu Plzeň na Mikolajském náměstí. Lektorsky se pak věnujete problematice zvukové stránky francouzštiny, rozvoji řečových dovedností, výuce francouzštiny po angličtině a využití prvků estetických výchov ve výuce jazyka. Jste také spoluautorkou učebnicového souboru Le Français entre nous plus a pracovala jste i jako redaktorka časopisu Cizí jazyky. Sedmým rokem jste také prezidentkou Sdružení učitelů francouzštiny v České republice a nesmím zapomenout dodat, že působíte i jako jazyková poradkyně pro vokální díla ve francouzštině. Ještě jednou vás vítám. Děkuji moc za uvedení. Kdybychom se teď na chviličku zdrželi u tématu, já jsem se minulý dnech, může to být tak 3-4 dny, přečetla článek, že italská pravicová strana premiérky Meloniové navrhuje zákon, který by zakazoval používání anglických a cizích slov ve veřejných dokumentech pod pokutou až 100 000 eur. A to proto, že cizí výrazy by prý jednou mohly vést k zániku italštiny. Jak jsou na tom Francouzi, jak je na tom frankofony? Bojují s anglicizmy nebo se to vyvíjí přirozeně? Je to téma, je to fenomén? Tak já bych řekla, že to je menší téma než třeba v 90. letech, kdy například ministr, který se jmenoval Toubon, myslím, že to byl ministr kultury, tak právě přišel s takovýmhle zákonem, kdy se chtěl vyloučení anglicismu z médií, pokud mají francouzské ekvivalenty. Okamžitě se mu začalo přezdívat all good, protože si o to koledoval. Prostě ten jazyk je živý organismus a musíme ještě chápat jednu věc. Samozřejmě jazyk má různé jazykové vrstvy, má různé styly a samozřejmě nižší styl, například nižší styl mladých, komunikace mladých, argot, obsahuje různé jazykové výpůjčky, nejenom z angličtiny. Samozřejmě francouzská akademie se snaží o čistotu jazyka. My dneska také uvidíme příklady toho, jaké lexikum je navržené na místo lexika anglického. Uvidíme časem, co z toho se ujme. Je nicméně zajímavé, že prozatím si Francouzi drží například slovo portable, nepoužívají slovo mobil velmi výjimečně. Konzultovala jsem to před 14 dny při výměně s jednou francouzskou školou. A to bude vlastně také součástí toho dnešního setkání, podívat se na mísení francouzštiny, angličtiny během století. Je to v podstatě jeden z důvodů. Je to vzniku tady toho semináře. Zaprvé podívat se na to sepětí těch dvou jazyků a říct si něco samozřejmě k didaktické stránce téhle věci, protože existují už studie, které nás výslovně nabádají k využití předchozí znalostí a dovedností našich žáků a studentů. Vy jste mi těmi jazykovými vrstvami připomněla rozhovory mých dětí, kdy se baví právě za použití anglicismu nazbíraných ještě u počítače a u různých počítačových her, tak to je opravdu jiná kategorie jazyka, to je úplně něco jiného.
A čeština bude mít pravděpodobně podobný vývoj jako všechny ostatní jazyky, které s angličtinou pracují, protože angličtině se v podstatě asi vyhnout nedá. Tak já jsem moc zvědavá, jak s tím pracuje francouzština. Požádám už teď účastníky jenom o to, aby svoje dotazy kladly pod ikonou QAA a zároveň, pokud budou mít nějaké tipy, náměty na materiály nebo odkazy na materiály, aby je také pokládali prostřednictvím této ikony, jinak samozřejmě používejte chat, jak jste zvyklí, a pokud jde o dotazy, paní lektorka se k ním nakonec webináře vrátí. Tak a to je A můžu ještě něco dodat. Já nejsem učitelka angličtiny a v podstatě spoustu prvků jsem využívala jaksi intuitivně, že před chvilkou jste řekla, že angličtině se nedá vyhnout. A samozřejmě také tím, že jsem vyučila didaktiku, tak jsem se dostala k tématu právě metodických přístupů, které využívají vztahu mezi jazyky, buď příbuznými nebo vzdálenějšími. Takže vůbec jako nemám patent tady na to téma, nicméně o tom tématu se moc nemluví. A já jsem si uvědomila, že je třeba o něm mluvit například při praxích studentských, kdy jsem měla ve třídě na výstupu studentku obor angličtina, francouzština a všimla jsem si, že opravdu jako nevyužívá těch možností a není sama. Takže vlastně cílem toho semináře by bylo dát možná nějaké, mě říkají Francouzi, piece de réflexion, čili nějaké náměty k úvaze. A zároveň, pokud byste měli cokoliv, co může obohatit ostatní, tak můžete přispět právě do té rubriky question and answer. Takže téma jasné, l'enseignement du français comme une autre langue, deuxième langue étrangère après l'anglais. Voilà. Et il y a quelque chose qui... Ah, oui. Alors là, j'ai essayé de commencer par... excusez-moi, là, je dois... Attendez. Voilà. Bon. Alors, cette photo... Cette photo a été prise non dans un pays anglo-saxonne, mais en France. Et là, vous voyez qu'il y a du lexique bien mélangé. Et j'aimerais bien commencer par un petit jeu qui est sur la page suivante. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Voilà. Alors là, vous avez plusieurs photos. Et vous êtes invité à dire ce qui se trouve sur la photo. Et il y a des expressions qui sont d'origine anglaise. Donc, là, observez, il y a une dizaine de mots. Et si on part... À la page suivante. Donc, vous avez pu voir les expressions qui sont anglaises. Peut-être vous les avez enregistrées en France dans une conversation avec un Français. Vous les avez enregistrées avec une prononciation française, comme par exemple liker ou évidemment customiser ou bien vintage. Au hipster, comme ça, je peux revenir en arrière. Et alors, ce sont les mots qui sont utilisés assez fréquemment. Difficile de dire, par exemple, là, je me suis occupée du mot « customiser » et c'est Larousse qui en parle et c'est un mot qui est reconnu, qui peut être utilisé dans le français standard. Et là, vous avez des expressions carrément anglaises comme esbine, swag, qui sont utilisées par les jeunes français, par exemple. Et là,
va, j'aimerais revenir dans ce langage qui est parfois appelé franglais. Donc, on va s'arrêter aussi auprès du mot franglais. Mais j'aimerais traiter aussi, comme c'était dit dans l'introduction de ce webinaire, j'aimerais aussi traiter les approches didactiques et donc donner quelques bases théoriques à notre sujet. En ce qui concerne les notions principales, là vous êtes habitué à rencontrer justement les sigles, donc L1, L2, L3. Nous, le plus souvent, on enseigne le français comme deuxième langue étrangère, voire comme troisième, après le plus souvent après l'anglais, parfois après l'allemand ou l'espagnol. Et le plus souvent, c'est ce modèle-là, n'est-ce pas? On va voir que il y a des relations qui marchent dans tous les sens, et justement, c'est la didactique des approches qu'on appelle plurielles des langues et des cultures. Et là, il y a quatre approches qui sont classifiées aussi par le cadre européen. Et nous, on va être dans la didactique intégrée des langues, parce que l'anglais va être ou peut être intégré dans l'enseignement du français. De toute façon, notre attention, c'est l'éveil aux langues qui mérite notre attention. Probuzení, jazykové probuzení, ce qui est une approche qui, il y a une vingtaine d'années, a été bien développée par ma collègue Marie Fenslova. Et il y avait Marc Candelier qui a présenté cette approche dans le cadre de la formation continue pour la SUF, donc l'Association des professeurs de français. Puis il y a une approche qui s'appelle l'intercompréhension entre les langues parentes. Donc ça marche très bien entre, par exemple, l'italien et le français. D'ailleurs, une des méthodes qui était née en Tchécoslovaquie, donc c'était Karel Rožskála qui a basé l'enseignement du français sur le latin pour les Tchèques. Et l'approche interculturelle, donc là, c'est l'approche qui travaille beaucoup sur les phénomènes culturels. Et donc là, nous, on est dans la didactique intégrée des langues. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une méthode d'enseignement des langues étrangères, mais des éléments d'une approche qu'on trouve propice à l'enseignement plus efficace d'une langue étrangère aux élèves qui connaissent déjà d'autres langues étrangères. Et là, il faut se rendre compte du fait qu'on n'apprend pas la première langue étrangère comme la langue maternelle, on le sait déjà, de la didactique des langues, et puis on n'apprend pas la deuxième langue étrangère comme la première langue étrangère. Donc là, il y a un transfert constant de compétences à encourager. On travaille avec des expériences précédentes, évidemment. Et puis, chaque langue est apprise en référence aux langues qu'on connaît déjà. Et il y a plusieurs cas de figure. Donc, il y a des zones de ressemblance. Parfois, il y a l'identité, on va voir plus tard. Que vous savez aussi. Il y a des zones de similitude, il y a aussi le recouvrement partiel, et il y a évidemment des zones de différence totale. Là, j'ai puisé d'un texte qui est très intéressant. Vous le trouvez dans le journal Tsizi Yazeke. Et là, ce qui est vraiment intéressant, là vous voyez les interactions constantes entre les langues
qu'on apprend, qu'on maîtrise. Et ce qui est vraiment intéressant, si la langue, la première langue étrangère est plus proche de la langue étrangère, la deuxième, que la langue maternelle, donc l'apprenant profite de la langue 3 davantage, ce qui est certainement le cas du français et de l'anglais. Le français est plus proche de l'anglais que du tchèque, n'est-ce pas? Et puis il y a encore une loi, plus la langue 2 est maîtrisée, moins l'influence de la langue maternelle sur la deuxième langue étrangère opère. Et donc, il y a une tendance générale de passer par la première langue étrangère que par la langue maternelle. Et vu que beaucoup d'élèves commencent déjà en première classe ou même à la maternelle, ou au plus tard à l'âge de 8 ans, donc on peut supposer que la langue 2 est suffisamment maîtrisée, disons, au niveau A2 et au lycée encore plus. Donc, on peut vraiment, là, on voit qu'il y a des élèves qui maîtrisent l'anglais très, très bien. Donc, si on prend l'anglais comme la langue pivot, on peut l'apprendre donc comme un point d'appui au moment de l'apprentissage du français. Alors là, on parle de ce qu'on appelle le transfert positif, et ça marche sur tous les niveaux de langue. Par exemple, au niveau du lexique, là j'ai mis des exemples vraiment très simples. Grammaire. Alors là, l'existence, comment parler de l'existence? Alors là, il n'y a pas de problème avec l'utilisation de il y a ou être au moment où l'élève se rend compte que ça marche comme en anglais. Par exemple, la concordance des temps, c'est au niveau plus haut, mais il y a des relations qui sont identiques entre l'anglais et le français. En ce qui concerne la phonétique phonologie, alors là, j'ai mis habitude articulatoire différente qu'en langue maternelle. Alors, dès que l'élève se rend compte qu'il faut adopter d'autres habitudes articulatoires, alors là, en anglais qu'en tchèque, alors ça va être plus facile pour lui dans l'apprentissage d'une autre langue, théoriquement. Et puis, en ce qui concerne l'orthographe, alors là, il y a aussi des zones identiques. Donc là, le transfert positif. Mais de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le transfert négatif ou interférence. Parfois, on a le lexique similaire ou quasi similaire, mais qui a une autre signification. Alors là, vous avez un petit exemple. Do you got, regardez, c'est pas la même chose. En ce qui concerne la grammaire, alors quelque chose de très simple qu'on voit auprès des débutants, quand les élèves adoptent les structures déjà maîtrisées et ils les appliquent ailleurs. On le voit beaucoup au niveau syntaxique, n'est-ce pas? Il y a une autre chose. C'est pas notre ah oui je peux dire transfert négatif parce que en français on conjugue la conjugaison existe un peu en anglais mais pas comme en français et il y a des élèves qui oublient de conjuguer quand ils sont fatigués ils oublient de conjuguer ils utilisent l'infinitif phonétique phonologie alors orange. L'orthographe est identique, la prononciation est différente. Il y a beaucoup de cas comme ça. Au niveau phonématique, le R a une autre prononciation. Puis les élèves ont pas mal de problèmes avec la prononciation de V, simple V. On le voit par exemple dans voilà, ils ont au 20.
y Zlatá danse de Conon Seo Oen, voilà, etc., d'y appliquer, y, parce qu'il y a justement d'autres sonorités, et ils appliquent ce qu'ils avaient appris avant. Au niveau de la prosodie, il y a beaucoup d'interférences, évidemment. Les élèves essayent aussi d'appliquer quelque chose qu'ils ont appris avant. Orthographe, alors combien de fois nous avons vu le mot exemple avec A au milieu? En effet, ce n'est pas une erreur importante, mais c'est quelque chose qu'on essaye aussi à apprendre à éviter, n'est-ce pas? Donc, notre objectif pédagogique, c'est de profiter de tout ce qui est transfert positif, évidemment, et prendre en compte et aussi anticiper le transfert négatif, les interférences. Alors, d'où vient la nécessité, évidemment, de renforcer, d'apporter les exercices complémentaires, surtout quand on utilise les manuels de provenance française, des cas où il y a justement les interférences entre le tchèque et l'anglais. Alors là, j'ai quelques exemples très simples pour vous dire comment on peut sensibiliser les élèves. Alors, je me répète pour certains. Là, je profite du manuel auquel j'ai participé, donc je suis co-auteur du manuel Le français entre nous plus. Là, vous avez quelques références. Donc, peut-être certains de vous ont déjà utilisé Le français entre nous, qui a été retravaillé et élargi de niveau. Le français entre nous plus. Et justement, pourquoi j'en profite? Parce que nous avons fait de cette approche interlinguistique un des principes dans ce manuel. Et voilà quelques exemples. Donc, juste au début, là, les consignes sont en tchèque. Ce qui se propose, c'est la comparaison entre le français, l'anglais, l'allemand et même le slovaque, une langue slave. Et il y a aussi une note culturelle, regardez. Podobnost uvedených jazykové dál na společným kulturním vývojem Evropy. Et évidemment, les élèves comparent le côté sonore et le côté graphique, mais ils voient que dans l'ensemble, il y a des similitudes énormes. On peut profiter, par exemple, d'une petite chanson, Contine, Frère Jacques, que les enfants connaissent, même en tchèque, ils le connaissent en anglais, certainement. Et ça serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Et souvent, les élèves viennent eux-mêmes avec les résultats de leur observation. Nous, on le connaît comme ça. On peut faire les deux. On peut enrichir l'anglais par le français par l'anglais. Il y a une note culturelle ici, dans le niveau 2. Alors là, où les élèves sont invités justement à apporter leurs observations. Donc là, on forme une conscience linguistique et interculturelle via les notes comme celle-ci. Là, vous avez une question à la fin. Voilà. Et moi, je trouve que ça peut aussi renforcer la motivation pour l'apprentissage de l'anglais. Vous voyez, il y a vraiment les interactions aussi au niveau de la motivation. Là, on est déjà dans quelque chose qui est plus compliqué et je trouve très efficace. Là, on travaille carrément avec
un document semi-authentique, parce que le texte est vraiment repris de la page web existante. Et là, il y a l'exercice, un vrai faux. Là, on est vraiment au début. C'est un exercice pour les débutants. Évidemment, là, ils doivent comprendre les annonciations, les affirmations. Donc, ce qui est important, là, ils sont capables, à partir de l'anglais, de faire cet exercice. D'accord? Alors, quand je vous donne un moment pour observer le texte, et vous allez voir que c'est tout à fait accessible. Évidemment, il y a aussi pas mal de mots transparents qui existent aussi en tchèque. Mais quand même, c'est l'anglais qui peut beaucoup aider. Alors, l'exercice à droite, il est tout à fait faisable. Et même les élèves qui sont moins forts, donc là, ils peuvent se débrouiller. Ce qui peut être vraiment motivant pour eux, pour l'apprentissage de l'anglais et du français. Et là, on a encore un exemple. Alors là, il y a une page qu'on appelle aide-mémoire. C'est la leçon 8, les médias. Et là, les élèves peuvent, entre autres, être invités à chercher les mots qui sont identiques et à deviner certains mots, certaines expressions qu'ils connaissent en anglais. Et là, ils essayent de voir donc ce qu'ils savent en français. Je pense par exemple au le kit main libre. Vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et c'est quelque chose qui peut les enrichir. Le courriel, évidemment, là on peut analyser le mot qui est mot valise, courrier électronique. On peut s'occuper du mot arrobase, comparé avec l'anglais. Donc ça peut apporter un travail vraiment joyeux et enrichissant pour nos élèves et pour nous aussi, parce qu'on apprend beaucoup avec nos élèves. Alors dans la partie suivante, on peut s'arrêter auprès de certaines pistes de réflexion et de suggestions. Là j'ai mis juste au début cours audio-oral, audiovisuel. À quoi ça sert? C'est vraiment quelque chose qui est oublié. Audio-oral, audio-visuel, course. Dans notre sujet, quelle est la relation avec notre sujet? Si vous imaginez toutes les difficultés qui surgissent justement des différences, des interférences entre l'anglais et le français, donc il est toujours très utile de ne pas travailler avec le côté graphie. En français. Et c'est valable pour l'apprentissage de chaque langue étrangère, mais dans l'apprentissage du français après l'anglais, moi je dirais que c'est encore plus important. On en a déjà discuté pendant le dernier séminaire, le binaire, qu'il ne faut pas au début donc perturber les élèves avec le côté graphie. Il y a certains de vous qui connaissent, peut-être encore personnellement ont connu Monsieur Josef Hendrich, un grand didacticien tchèque, un grand professeur tchèque, qui a prôné justement l'utilité d'un cours audiovisuel. Il a même parlé de 3 mois sans support texte.
Nous aussi, dans notre manuel, on le recommande dans le livre du professeur. Moi, personnellement, je ne le fais pas 3 mois, je le fais 3 semaines, mais quand même, ça apporte des fruits, je dirais. On a déjà vu le nombre des voyelles en français et vu les proximités ou justement les interférences avec l'anglais, ça vaut la peine, vraiment. Donc, c'est la première recommandation, c'est une première piste de réflexion. Puis il y a une autre chose, et c'est l'utilisation de l'anglais dans le cours du français. Comme j'ai dit, c'est pas une méthode, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut faire constamment. Mais il ne faut pas rater des occasions où c'est quelque chose qui peut enrichir nos élèves, qui peut enrichir le cours. Pourquoi il faut vraiment trouver le milieu juste? Il y a ce qu'on appelle alternance codique, multiple code switching. Et alors, déjà imaginez quand on passe parfois entre le tchèque et le français, apporter l'anglais trop souvent, donc c'est pas efficace non plus. Donc, il ne faut pas en faire vraiment une méthode. Si vous imaginez qu'il y a des élèves, par exemple ukrainiens actuellement, donc pour eux, ça serait encore quelque chose de plus. Il faut le faire raisonnablement. En ce qui concerne l'interculturel en classe de langue, évidemment, on peut se poser la question comment renforcer les deux côtés dans les deux cours, de l'anglais et du français. Déjà, il y a pas mal de collègues qui enseignent l'anglais et qui se plaignent du nombre assez bas des élèves qui sont intéressés pour l'apprentissage du français. Donc là, c'est peut-être quelque chose de malin d'introduire des textes qui traitent la civilisation française en anglais. On peut le faire à l'envers. On peut trouver des points, en fait, traiter un peu la civilisation anglophone dans le cours de français. Le mieux, trouver quelque chose qui est en commun, par exemple quelque chose qui concerne l'Europe ou un point d'histoire qui concerne la France et la Grande-Bretagne, par exemple. Dans la partie suivante, on a déjà mentionné juste au début les emprunts anglais. Alors là, il y a plein d'emprunts en français. Il y a à peu près 36% des emprunts qui existent en français, qui sont d'origine anglaise. Là, vous avez quelques exemples. Vous voyez que l'orthographe est différente, la prononciation est différente. Par exemple, baby, boom, baby, sitter, challenge, pullover, shampoing, etc. Donc, on peut s'arrêter auprès de la notion franglais, qui ne vous est pas inconnue certainement. Là, j'ai trouvé que cette notion existe là depuis l'année 64. Et c'est très joli comme titre, je trouve. Franglais anglicisme, quand le français se met à parler anglais. Là, on peut parler d'une accélération depuis une cinquantaine d'années. Et évidemment, c'est lié au fait que l'anglais est la langue de la première puissance économique, donc l'Amérique, de la puissance politique, militaire, instrument de communication et évidemment des réseaux sociaux, de tout ce qui est des nouveaux médias, etc. C'est évident, mais c'est vraiment pas nouveau.
L'Académie française dit que c'est quelque chose de tout à fait normal. Alors là, vous avez une revue des expressions qui sont venues en français. Et vous voyez que déjà avant 1700, il y avait les mots d'origine anglaise comme gentleman, paquebot, etc. Et ça continue, évidemment, ça continue. Et de toute façon, là, il y a, là vous allez voir quelques expressions qui sont utilisées en anglais, mais qui sont aussi utilisées par les jeunes français, et que lesquelles l'Académie française a des recommandations. Donc, par exemple, ne plus dire smiley, mais plutôt frimousse. Et là, vous pouvez, à votre tour, essayer de chercher les équivalents. Donc, ne plus dire webcam, mais plutôt cybercaméra. Non, hacker, mais plutôt, imaginez, fouineur. Non, spam, mais plutôt arrosage. Et là, vous savez certainement ce qui est conseillé, et c'est courriel. Ne plus dire chat, ou plutôt ça, dialogue en ligne. Pas hashtag, mais plutôt mot dièse. Pas cloud, mais nuage. Voilà, le source, c'est les pages du gouvernement français. Vous avez certainement vos propres expériences. Moi, je peux vraiment confirmer que les Français utilisent fréquemment courriel. Ils utilisent assez fréquemment mot dièse. Ils utilisent le mot nuage. En effet, je vois que il y a une certaine tendance dans le français actuel, et c'est utiliser l'anglais pour montrer que moi je maîtrise l'anglais. Vous voyez, ça, vous avez les expressions qui sont donc proposées par l'Académie française, donc qui devraient concerner les médias, qui devraient faire partie de ce qu'on appelle le français standard. Mais chaque langue a sa vie à elle. Et donc, on peut imaginer que les jeunes, ils vont certainement dire spam. Ils vont utiliser le mot chat parce que c'est beaucoup plus court que dialogue en ligne. Il y a beaucoup plus de syllabes, n'est-ce pas? Voilà. Et en ce qui concerne notre motivation, donc, évidemment, il faut prendre en considération cette influence interlinguistique constante, l'éventuel transfert, parce que c'est profitable pour nous, c'est profitable pour nos élèves, évidemment. Et on a déjà vu à quoi ça peut servir. Alors là, vous avez quelques sources. Donc, il y a des articles qui ont été publiés dans la revue Tsizi Azeké. Là, j'ai puisé donc de notre méthode. Il y a la page gouvernement français qui propose aussi des pistes concernant notre sujet. Et j'ai aussi essayer de chercher s'il y a, parce que vraiment il n'y a pas grand chose dans ce domaine. Et là j'ai trouvé deux bouquins assez récents. Le premier, Apprendre le français après l'anglais, développement de la production écrite à l'aide du numérique. Alors là, c'est une thèse de doctorat qui est faite par une collègue bulgare.
Et là, vraiment, elle est concentrée à la production écrite. Évidemment, il y a aussi des pages théoriques. Si quelqu'un s'intéresse vraiment à ce sujet, donc on peut le recommander. On peut recommander de chercher au moins certaines parties dans ce livre. Et puis, il y a un ouvrage qui est paru aussi récemment chez Clé International. Il y a, vous connaissez les livres, la série contrastive. Alors là, c'est grammaire contrastive. Ça, c'est pour English speakers. Mais il y a aussi des possibilités d'utilisation de certains exercices, certaines activités pour les professeurs de français dans le monde entier, d'accord? Et c'est Monsieur Béaco avec une collègue dont le nom je ne peux pas lire là, mais ça c'est destiné au niveau A1, A2. Sinon, si vous aviez envie de travailler sur la grammaire contrastive entre le tchèque et le français, Monsieur Béaco est vraiment intéressé de se lancer dans ce projet. Voilà. Si vous aviez envie de créer le contrastive, le tchèque, l'anglais, ce serait tout à fait intéressant aussi, n'est-ce pas? Grammaire contrastive. J'ai encore un ouvrage ici à votre disposition, et c'est ma collègue Radka Mudrochová, que vous connaissez peut-être, les membres de la SUF certainement. Alors c'est la francisation des emprunts à l'anglais d'après l'orthographe rectifiée, son application en français de France et en français québécois, qui est paru dans les cahiers de praxématique. Et il y a d'autres. Donc là, vous pouvez retenir le nom de Radka Mudrochová parce que là, elle a fait plusieurs ouvrages où elle traite au moins partiellement justement la problématique des relations entre l'anglais et le français. Voilà. À la fin, j'aimerais encore, je me suis permis de mettre là le logo de la SUF, de l'Association des professeurs de français. Alors, si vous êtes intéressé de devenir membre, vous êtes invité à nous joindre. Sachez que nous, on est le partenaire officiel de l'Institut français de Prague, donc de l'ambassade de la République française, et aussi du ministère de l'Éducation. Quand je viens de mentionner le ministère de l'Éducation, j'ai voulu mentionner encore une chose. J'espère que tout le sujet de ce séminaire va être utile aussi bien dans les années à venir. Je vois qu'il y a toujours beaucoup de collègues qui ne savent pas ce qui se passe autour de ce qu'on appelle Velká revize rámcového vzdělávacího programu. J'espère que vous êtes au courant de la bataille que nous menons aussi, la SUF, contre la proposition de la réforme où le français et l'allemand devraient être proposés comme povinně volitelný předmět, donc pas comme povinný druhý cizí ou další cizí jazyk. Donc espérons que le changement n'aura pas lieu et que s'il va toucher les základní škola, il ne va pas toucher le lycée au moins de 8 ans et de 6 ans. Espérons-le. On a justement le temps pour passer à la rubrique questions et réponses. Donc, je vais l'ouvrir.
Alors, vous partagez mon écran, donc vous le voyez aussi. Jaký máte názor na vedení slovníčků? Já bych byla hodně pro. Určitě na gymnáziu. Určitě. A vlastně ono ani není nezbytné si vždycky hledat nějaký ekvivalent nebo překlad, pokud to slovíčko je ten význam naprosto evidentní. Jo? Výborně, metoda Quill. Jinak první můj diplom je diplom učitele prvního stupně základní školy. Takže já kdybych dneska učila na prvním stupni základní školy, tak bych určitě aplikovala metodu Quill pro francouzštinu. Na angličtinu bych se necítila, ale kdybych učila dneska na prvním stupni, tak bych musela mít i vzdělání pro výuku angličtiny. Takže bych se musela vybrat, ale byla by to francouzština. Přesně tak. No, vy tady píšete hezky. Vědí, jak si zapisovat slovíčka, vědí, na co se soustředit, jak se učit. To je teda právě ta otázka a já jsem tam asi přeskočila jeden slide, nebo mi vypadl, a to je vlastně, řekla bych, velká zodpovědnost učitelů angličtiny, jako učitelů prvního cizího jazyka, že právě oni by měli už vytvořit tyhle ty strategie, měli by opravdu naučit se, jak se učit, co to znamená vést si slovníček, vědět, co to je překlad, jaké strategie překladové třeba používat, třeba na jako nejnižší úrovni, jo. Bohužel to tak někdy není, ale nebo třeba opravdu a artikulace. Jo, jsou prostě žáci, kteří opravdu nemají jaksi povědomí o tom, že používáme tedy artikulační orgány hodně jinak, když mluvíme cizím jazykem, jo? Nebo třeba, že existuje něco jako rytmus a intonace. Takže nám se samozřejmě jako francouzštinářům daleko lépe pracuje se studenty, kteří už tohleto jaksi mají zakotvené. Výborně, výborně, výborně. Tak a vyjadřuje se kolegyně i k plánované změně RVP. Ono to uškodí úplně všem to uškodí. Hlejte se, pokud trošku tuhletu debatu sledujete, tak je vytvořená facebooková skupina schválně proto, aby opravdu se tam dostalo hodně učitelů. A já jsem byla jako například šokovaná, když moji kolegové na gymnáziu po prázdninách vůbec netušili, že už skoro půl roku probíhá nějaká taková debata a v podstatě fakt jako bitva za povinný druhý cizí jazyk. A už jsem o tom mluvila asi minule, ale je to opravdu velmi složité a máte, někdy nevíte opravdu, co si myslet, když vedoucí expertního panelu vám řekne, že přece ve Španělsku a v Německu se taky neučí všichni dva cizí jazyky. Tak asi to nepotřebuje komentář. A že vlastně ten 12letý člověk musí nést odpovědnost za to, co si vybere, jo? Jestli si teda vybere ten třeba sportovky nebo cizí jazyk. A to už je jako trošku jiné téma, nám to určitě uškodí. A hlavně, ještě je tady jedna věc, kterou zmínila jedna kolegyně angličtinářka před lety, když jsme právě bojovali za povinný druhý cizí jazyk. Ona řekla, že právě skrz ten druhý cizí jazyk můžou žáci být znovu motivováni pro učení se cizího jazyka, že jsou prostě někdy z angličtiny už otráveni, zejména pokud nemají kvalitní učitele, čili to může být pro ně zase další impuls. Navíc, jak jsme si ukázali, to obohacení tam skutečně probíhá všemi směry. Takže děkuji za příspěvky a paní Veronika Sejprtová. Konkrétní tipy na aktivity. No, tak budu se těšit, až já dostanu nějaké tipy na aktivity. Víte, co ono, je to často záležitost právě metod, se kterými pracujete, záležitost textu, se kterými pracujete. Jako třeba konkrétní aktivita mě napadá se studenty vzít na první hodinu nějaký třeba ne dlouhý, a třeba 10-20 řádkový text, kde bude právě použito hodně transparentních slov, která znají už češtiny, ale třeba která znají z angličtiny, a ukázat jim, že nejsou na nule. Ano, čili využít
toho k motivaci pro výuku francouzštiny. Ale je to stejně tak práce například s písněmi francouzskými, které obsahují anglicizmy. Čili ti žáci vlastně vyhledávají ty anglicizmy, můžou si třeba i pohrát s tím, že zkouší hledat jejich ekvivalent, jak by se to mohlo v francouzštině říct, jo. Čili i jako aktivity kreativního typu. Tak tady už se paní kolegyně vyjadřuje k tomu, že je to velká bitva. Ano, velká bitva. A bude to politické rozhodnutí. Uvidíme prostě, jak tohle dopadne. No. Blanka Kocorková, porovnám francouzštinu s angličtinou, větší problém, že někteří neznají vlastně mateřský jazyk. No a víte, co ono právě, tohle samozřejmě, to, že vy vysvětlujete, žáci používají nějaká slovíčka v češtině, oni se pak s nimi setkají v angličtině, ale vlastně úplně přesně neví, co to je. Jako mě napadá slovíčko, ale nevím, jestli existuje teda stejně v angličtině, musím říct. Třeba slovo impozantní. Co to vlastně, že je něco impozantního? Tak třeba francouzština nám pomůže opravdu v porozumění toho, že je to něco, co se opravdu vnucuje našemu pohledu. Jo? Takže takhle to může fungovat vlastně jako v rámci těch tří jazyků, ve kterých se naši žáci pohybují. Ale třeba čtyř, někdo má třeba i němčinu. Víte, že němčina také obsahuje slovíčka francouzská docela hojně. A je to prostě germánský jazyk, vlastně všechno to v rámci germánského jazyku, že angličtina a němčina. Takže ty podobnosti, to hledání se tam určitě nabízí a myslím, že to vždycky velká radost, když objevíme nějakou etymologii, když objevíme ten pravý význam. Měl by z vás někdo nějaký konkrétní tip? Protože to, s čím jsem přišla, tak je, já si myslím, že opravdu většina z nás něco podobného využívá. Často intuitivně, ne třeba nějak systematicky, čili pro vás, kdo využíváte aspoň částečně, tak se z toho může stát opravdu nějaký systematičtější přístup. Pro vás, kdo třeba začínáte s výukou, já si myslím, že to opravdu můžou využívat lidé, kteří nejsou angličtináři, jo. A myslím, že dnes, hlavně nastupující generace, tak já jsem spíš jako už odcházející generace, že učitelská, tak prostě s angličtinou se setkáváme dnes a denně. Jo. Takže já bych vám byla docela vděčná, kdybyste třeba do téhle rubriky vetkli nějakou poznámku o tom, co třeba, co tady bylo úplně opomenuto dneska. Tak tady třeba pexeso. Tak to já taky používám. Pexeso, angličtina, francouzština. A je tam samozřejmě spousta podobností, i když vezmete oblečení, že jo, t-shirt, sweatshirt, názvy bot, třeba obuvy, jo, tak to Francouzi dneska běžně používají anglické názvy. Pak tady máme další třeba. No, hledajte se, tady teda je poznámka. Prosím vás, opravdu to není ideální. Není ideální, spíš bychom se měli, tady paní Nágrová, bychom se měli snažit o to přijít s nějakou jinou metodikou, která bude myslet na ty nejslabší. Tak já třeba jsem z Plzně a pocházím ze Stříbra a ujišťuju vás, že všichni řemeslníci ze Stříbra nějaký čas pracovali nebo pracují v Německu a oni nepotřebují to číst psát, oni potřebují se základně domluvit a my ochuzujeme. A je to skutečně jako, je to segregace určitá. Jsou studenti, kteří už v životě nebudou mít žáci možnost se učit nějaký cizí jazyk. Buď jim to rodiče nezaplatí, nebo prostě jim to nedojde, že je to něco, co je může obohatit. A nezapomínejme, že jazyk, a to tady dneska taky padlo, tady nebylo jenom interlingvistik, ale taky interkulturel. Ten jazyk je nositel kultury, takže je to opravdu velká škoda, kdyby se setkali jenom s jedním jazykem cizím.
Paní Joanny Disová, Přebu asi, jo? Kvizle, francouzština, angličtina, výborně, takže další možnost. Přesně tak, porovnávání, čili zase tady podporujete tu myšlenku té interakce neustále mezi všemi jazyky, se kterými se žáci setkali. Jo, přesně tak. Je spoustu věcí. Já jsem tady zmínila třeba paní Joštová, třeba souslednost časová. Ty časy, to vlastně ta spojitost, vyjádření minulosti v minulosti, současnosti v minulosti, budoucnost v minulosti, tak to funguje stejně, že jo, pokud si to pamatuju ze svých kurzů angličtiny. Paní Jelínková, náhodně, určitě to vždycky potěší, když je odhadnou význam a je to skutečně velká pomůcka pro studenty. Určitě tady, ano, to tady nebylo zmíněno a určitě by to mělo zaznít. V rámci Evropského dne jazyku propojit jazyky na škole, výborný nápad. I v rámci třeba projektu nějakého e-tweningového nebo jiného projektu, kde se žáci setkají napřímo. Konkrétní typ nemám, ale postřeh. Ano, studenti zvládají přechod na vyšší úroveň, pokud zvládají angličtinu. Určitě máte pravdu. Takhle inteligentní žáci, a na gymnáziích máme samé inteligentní žáky, tak ti tohle zvládnou opravdu už v prvních hodinách. Jo. Veronika Sejprtová, určitě. Tady máme třeba křížovku, spojovačku, ovoce. Prostě všechny tyhle ty, jak říkáme, aktivity lidí k herní aktivity. Takže téma jídlo. Jsme si žáky vyndali z batěhu svačiny, popisali jsme, kdo má co k snědku. Jo. Tak to je určitě zajímavá aktivita. My jsme třeba takhle s dětma, když jsme se učili příslovce kvantity, tak si napustili do kalíšku vodu a řekli, kolik jí tam mají, jo. Takže tak, ale nemáte někdo nějaký třeba konkrétní odkaz? Jo, ještě jsem chtěla říct jednu věc. Určitě byste báječné zdroje našli, já jsem se na to vzpomněla pozdě, už jsem neměla čas to hledat, ale napadlo mi dneska, že jsem kdysi našla úžasné zdroje na stránkách kanadských. Kanadské vzdělávací stránky. Víte, že to je země, kde máme angličtinu, francouzštinu a skutečně oni se velmi věnují výuce francouzštiny. Pokud jste se někdy setkali s Kanaděny anglofonními, tak víte, že velmi bídně mluví francouzsky zpravidla, nejsou nějak zvlášť motivovaní. Vůbec jako kanadská francouzština zase, to je další téma samozřejmě. Jo, tam anglicizmy jsou hodně zastoupené, víme, že jsou tam rozdíly oproti francouzské, francouzštině, v léčích, kách, slovokách, má ve francouzštině význam a tak. Čili to je zase další možnost, kudy se ubírat, pokud máte vnímavé studenty a zajímá je etymologie a vůbec srovnávání variant francouzštiny. Se staršími studenty si pouštíme seriál z Netflixu Emily in Paris. Ano, tak to je také dobrý tip. Děkujeme za tip. Tak a protože máme 6 hodin, tak pokud by ještě někdo chtěl přispět k našemu setkání, k našemu tématu, tak máte asi poslední možnost. Měli bychom dodržet 60 minut. Takže pokud ne, já vám moc krát děkuju, že jste dorazili a budu se těšit na vaše reakce, pokud nějaké máte, i na vaše tipy. Tady máte také možnost vidět můj e-mail, kuriel. Takže budu moc ráda, pokud se nějak se mnou třeba spojíte a pokud mi dáte nějaký tip, jak tohleto téma nebo jiné téma obohatit. Jinak doufám, věřím, že se že třeba i skrz tenhle ten seminář SUFka získá zase další členy. Pokud se vám zatím k nám nechce, tak věřte, že tedy koukáme i za vás a všem vám přeju hodně radosti s francouzštinou. Nevěřte hlavy,
Myslím, že francouzština bude mít stabilní postavení, pokud se tedy představitelé téhle země úplně nezblázní. A věřme, že snad nakonec vítězí zdravý rozum a skutečně vědomí, že patříme do Evropy, i teda, co se týká jazykového vybavení. Protože skutečně by to byl velký krok zpátky. Takže vám moc krát děkuju, mějte se hezky a la prochaine, au revoir.